myself. Take me right back to the start. Eh bien salut tout le monde, c'est quand même, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 en tuto déco sur Minecraft. Et aujourd'hui je vais vous présenter comment construire un lampadaire pour les routes. Et aussi fonctionnel de jour et de nuit. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, de jour il est éteint et puis quand la nuit arrive, ils vont s'allumer automatiquement, les lumières vont s'allumer. Donc les amis, c'est très simple à construire, on passe en construction. Je fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Et re les gens, donc c'est bon, je suis à l'étape de construction. Donc pour construire le lampadaire, il faudra des murs en pierre, des barreaux en fer, des dalles de pierre et les capteurs de lumière de jour. Et aussi forcément les lampes de redstone, voilà. Donc c'est pas très cher de construire ce lampadaire, hein. Même en survie, je suis en train de remarquer que même en survie vous pouvez faire ça. Donc ça va être très simple. Vous posez 3 murs de pierre, 2 barreaux en fer, un mur en pierre, ici une dalle de pierre, encore une là, donc là il y en a deux. On met sur un de hauteur, on en remet deux, on en remet sur un de hauteur, et cette fois vous n'allez pas en mettre deux, mais vous allez en mettre trois. Voilà. Juste en dessous, on va lier les lampes de redstone. Au-dessus, on va recasser et on va remplacer par les capteurs. Donc là, les capteurs, vous voyez, il faut allumer les lampes. Là, c'est normal parce que là, c'est le jour. Donc tout simplement, vous allez cliquer une fois dessus. Voilà. Donc là, ils s'éteignent. Et là, en gros, on a activé le mode nuit. Donc, c'est-à-dire que si là, je mets la nuit, ils vont s'allumer. Donc, voilà. Donc, même en survie, vous pouvez reproduire ceci. C'est vraiment pas coûteux du tout. Et c'est un lampadaire spécial autoroute. Comme ça, vous passez juste ici, sur l'autoroute. Il sera éclairé, comme on peut le voir là-bas. Et donc, voilà les gens. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si vous voulez, je peux vous donner... d'autres décorations pour accompagner ce lampadaire. Donc vous voyez là, j'ai construit une petite route, bon ça c'est facile à faire, des passages piétons forcément. Sur le trottoir, vous voyez, vous pouvez mettre des petits bancs, des petites fleurs. Et surtout ce qui est bien, c'est j'arrive vraiment, moi c'est quand je construis, mon style de construction c'est toujours caler un distributeur à soda sur un lampadaire. Donc là comme je l'ai fait, j'ai calé un distributeur. Et vous pouvez voir aussi que j'ai joué un petit peu avec la pierre en changeant à certains endroits. J'ai remplacé par une autre pierre, donc voilà. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On va fixer un objectif 15 likes. N'hésitez pas à partager à vos amis et à votre famille sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour les nouveaux. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.